Ce matin, nous voulons vous inviter à venir acclamer notre Dieu avec nous. Nous voulons acclamer l'Éternel, le grand Dieu, l'Éternel des armées. C'est ce que nous voulons chanter avec vous. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons. Voulons dire, grand et merveilleux, grand et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, sois le roi éternel. Qui sur la terre et dans le ciel, semblable à toi, Seigneur, semblable à toi, tu règnes, Seigneur. Continuer ce temps de louange en nous appuyant sur la parole de Dieu, où Dieu nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Bien sûr, si ce besoin correspond à la volonté de Dieu, mais ton Dieu t'a fait cette promesse et nous voulons le proclamer. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Alors lève-toi si tu le peux, hein, et proclame cela avec nous. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, tu peux le dire aussi avec nous. Lorsque je crois, lorsque je crois, on va le redire. Il n'y a rien dont j'ai besoin, rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois.
je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis. Jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi. Parce que je crois. Parce que je crois. Est-ce que tu crois également? Alors tu peux danser. Parce que je crois. Parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Qui ne puisse me combler lorsque je crois. Oui, Seigneur, c'est ta promesse, Seigneur. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, alors je dis. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne. Encore une fois, alors je dis, alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi. Alors je dis, alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, une dernière fois, alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi. Parce que je crois. Parce que je crois, oh oui, je crois, parce que 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 je crois, oh oui, je crois, Seigneur, parce que je crois, parce que je crois, une dernière fois, parce que je crois, parce que je crois, oh oui, Seigneur, parce que je crois, parce que je crois. Ce matin, nous voulons avec vous louer notre Dieu. Avec vous, nous voulons célébrer notre Dieu. Et nous voulons dire louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous voulons vous inviter à chanter. On y va. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers. Encore une fois, nous disons louange. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Et nous disons sans gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu. Venez, chantons notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Alléluia, alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit les merveilles. Pour nous, il fit les merveilles. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça? Alléluia. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. On va le redire. Pour nous, il fit les merveilles. Gloire à Dieu,
pour redire, je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, nous disons gloire à Dieu. Continuez moment louange là ça. Bible a dit que sang à Jésus qui a purifié de tout péché. Bon, maintenant, nous ne voulons pas adorer le sang de Jésus. Hein. Nous voulons adorer Jésus. Et nous voulons proclamer que sang à Jésus qui a purifié de tout péché, qui a nettoyé de tout péché. C'est ça que nous voulons chanter, Ever. Nous voulons chanter Jésus. Sang à Jésus. Sang à Jésus. Purifié, sans rien qu'à nettoyer, sans à Jésus, qu'à nettoyer, tout péché nous disons, sans à Jésus, qu'à justifié, sans à Jésus, sans à Jésus, qu'à sanctifié, nous pas dit ça encore, sans à Jésus, qu'à purifié, sans à Jésus. Est-ce qu'on va réaliser ça? Sans Jésus purifié. Sans Jésus nettoyé. Sans Jésus qu'a justifié. Sans Jésus qu'a justifié. Sans Jésus qu'a sanctifié. Et nous qu'a dit sang au sang. Jésus. Sang au sang. Oui, Seigneur, nous pas dire merci du sang à Jésus. Sang au sang. Oh oui, le sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang à Jésus qui a libéré. Sang à Jésus qui a libéré. Et pardonnez-moi, c'est pour ça que je vais louer vos matins là. Sans à Jésus, qui a restauré. Sans à Jésus, qui a délivré. Sans à Jésus, qui a délivré. Sans à Jésus, qui a libéré. Sans à Jésus, qui a libéré. Nous qui sommes prisonniers, sans à Jésus, libérez-nous. Sans à Jésus. Pas qu'à marcher courbé encore parce que nous pardonner. Sans à Jésus, qu'à restaurer. Sans à Jésus, sans à Jésus, qu'à délivrer. Et nous pas du sang au sang. Aimer le monde, il a donné son fils unique. Et nous allons dire merci pour sang à Jésus. En dernier fois, sang à Jésus qui a libéré. Sang à Jésus qui a libéré. Vous libérez moi, Jésus, en veloué. Sang à Jésus. Vous pardonnez moi, Jésus, en veloué. On veut adorer au Jésus. Sans à Jésus. Vous restaurez-moi, Jésus. Restaurez. Vous restaurez-moi, en veux louer au Seigneur. Sans à Jésus. Vous délivrez-moi, Seigneur. C'est pour ça qu'a dit sang au sang. Sang au sang. Oh, le sang de Jésus. Sang.
Jésus. De Jésus. Sans on va dire une dernière fois, sans au sang. Bonjour à tous, c'est notre jour, le jour où nous prenons du plaisir à être avec notre Seigneur, comme tous les jours, mais ce jour est particulier, où nous venons à ses pieds, où nous venons à sa présence pour l'adorer, pour le bénir, l'élever, que son nom soit glorifié. J'aimerais partager en ce jour, eh bien, ce thème avec vous, une bonne saveur, une bonne saveur. Prenons pour référence 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, jusqu'au verset 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si vous avez goûté, j'aimerais parler de saveur, et cela se comprend. En cette période de l'année, certains diront « Oh !» Il n'a pas cherché bien loin pour ainsi nous parler, pour ouvrir les Saintes Écritures. Et vous avez raison quelque part. Quand bien même que vous prendriez du temps à raconter à quelqu'un de quelle manière une chose est délicieuse, une chose est savoureuse, cette personne ne comprendrait que dans son imaginaire. Pourquoi ? Parce que cette personne, surtout si elle n'a jamais, je dirais, goûté ce produit ou mangé telle ou telle chose auparavant. Donc, vous comprenez, tant qu'on pas goûte en bitin, ou pas ça vraiment qui goûte ni. C'est pourquoi il y a donc des séances de dégustation qui se succèdent en cette période de l'année pour attirer les consommateurs que nous sommes. Et dans ces séances de dégustation, après avoir goûté, eh bien, on finit par adopter le produit goûté et on finit donc par l'acheter. D'ailleurs, c'est l'objectif des commerciaux de nous faire goûter comme une forme d'appât et ensuite nous sommes pris dans le piège entre guillemets. Bien sûr, entre guillemets, vous qui êtes commercial, qui avez donc votre entreprise, ne le prenez pas mal. Rassurez-vous, je ne vous parlerai pas seulement de nourriture ou de boire, mais je vous parlerai également des choses de l'éternel. Mais il faut donc souligner que boire et manger sont des essentiels, sont des incontournables pour l'existence de l'homme. Le texte lu nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ensuite, une invitation, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce texte souligne une grâce accordée, une bénédiction accordée à une catégorie de personnes. Et cette catégorie est donc rejetée par les méchants, rejetée par les orgueilleux. Mais la Bible souligne, cette catégorie est choisie et précieuse aux yeux de Dieu ou encore devant Dieu. Cette catégorie, voyez-vous, des bien-aimés, ceux-là qu'on appelle les enfants de Dieu, les croyants, cette catégorie est exhortée à offrir des sacrifices. Dans mon introduction, je vous disais que c'est un moment particulier où nous nous arrêtons, où nous nous approchons, nous entrons en sa présence pour lui offrir louange, adoration et exaltation. Mais regardez, quand on offre à Dieu en qualité de croix. D'ailleurs, cette catégorie, il faut le savoir, cette catégorie de croyants, de bien-aimés, sont devenus tous des sacrificateurs. Le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, souligne dans son chapitre 1er, verset 6, que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père,
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu a fait de nous et bien des sacrificateurs pour Dieu et nous sommes appelés à offrir des choses qui soient agréables, bien entendu, à notre Dieu. Et vous-même, je reprends le texte de départ, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et regardez la conclusion, des victimes qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Cette insistance, cette répétition, ce n'est pas pour rien. Par Jésus-Christ, par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Le livre saint, la parole de Dieu, révèle à toute l'humanité que le nom qui devient incontournable, la pierre avec laquelle on doit composer pour bâtir une construction spirituelle avec Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est devenu le centre, l'incontournable. Et c'est en lui seul que nous obtenons toutes les grâces et toutes les choses extraordinaires de la part de Dieu. D'ailleurs, quand nous irions en tant que sacrificateurs pour pouvoir offrir à Dieu nos actions de grâce, nos actions de reconnaissance, nos alléluia, nos adorations, eh bien encore, ces choses devront être données, offertes à Dieu dans le nom de et par le nom de Jésus. Savourer, c'est apprécier. Savourer, c'est délecter. Éprouver donc une satisfaction. Et j'aimerais vous l'apprendre, si vous ne le saviez pas, eh bien, Dieu aussi sait apprécier. Dieu aussi sait apprécier. D'ailleurs, environ 40 fois, une expression se trouve dans l'Ancien Testament, d'une agréable odeur devant la face de l'Éternel. Ces choses sont associées au sacrifice, au rituel que vous trouvez dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'était donc une exigence. Dieu demandait, Dieu exigeait que les souverains sacrificateurs puissent lui offrir. Et quand une famille ou un peuple voulait donc offrir quelque chose à l'Éternel qui lui soit agréable, les conditions, les exigences de Dieu devaient donc être respectées à la lettre. Donc, d'une agréable odeur. Dieu donc pouvait apprécier ce qui lui était donné. Dieu donc pouvait agréer, mais il pouvait aussi les rejeter. Il pouvait donc les déprécier. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous rappelle une réalité de deux personnes parmi les premiers vivants de la terre. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible nous parle de Caïn et nous parle d'Abel. Mais la Bible souligne, en amplifiant, dans l'idée d'honorer la mémoire de cet homme, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Entendez, un sacrifice plus excellent. Dans ce que l'on offre, il y a de l'excellence. On peut aller dans un premier palier. Ça peut être bon, ça peut être agréable, mais ça peut être aussi très agréable. Et Dieu attend que les choses soient toujours très, très agréables. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, eh bien, écoutez bien, qu'il parle encore, quoique mort. J'ai fait allusion à la mémoire. Il arrive que dans notre société, nous honorions les gens qu'après leur décès. Bien sûr, vous me direz, mais ce texte présente la même situation, la même démarche. Il n'est plus et il est honoré. Mais pendant le vivant d'une personne, il est bon. À mon avis, c'est convenable de dire du bien de cette personne. D'ailleurs, bénir l'autre, c'est dire du bien de lui. Quand on bénit l'Éternel, on dit du bien de lui parce qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, de bénir, d'enrichir nos vies. Et la Bible précise que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La mémoire d'Abel est honorée, mais aussi son action est devenue une action fondamentale. Dieu n'apprécie que les œuvres, écoutez bien, Dieu n'apprécie que les œuvres, les actions, qu'elles soient petites ou grandes, faites avec foi, avec foi. Or, la Bible précise que sans la foi, selon Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cette notion de satisfaction, d'être convenable, d'être agréable, n'arrête pas de revenir. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette approche de Dieu doit être faite avec la conscience rafraîchie, la conscience sensibilisée. On fait beaucoup de choses, mais on n'a pas toujours conscience de leur portée ou de leurs conséquences. Mais ceux et celles qui s'approchent de Dieu, ou encore qui ont cette prétention d'offrir quelque chose à Dieu. D'ailleurs, remarquez que Dieu est créateur de toutes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir qui pourrait vraiment satisfaire son cœur? Alors comprenez bien, quand il y a une démarche qui est engagée, faut-il encore que vous ayez conscience, que nous ayons conscience que la démarche est faite en respectant les règles, en respectant les exigences de Dieu, et que l'on soit vraiment conscient, que l'on puisse peser la démarche engagée. Il faut être sensibilisé sur cette exigence parce que Dieu veut que ce qui lui est donné, lorsqu'on offrirait son être entier, eh bien, que cela soit saint, que cela soit, et je le développerai tout à l'heure. Mais je reviens sur la personne de Dieu. Dieu qui est-il ? Dans ce qui le caractérise, tous diront et nous dirons amen à cela, Dieu est amour, Dieu est un Dieu créateur, mais Dieu est aussi saint, alléluia, il est saint, il est tout puissant. Et je pourrais encore, allez, me perdre dans les attributs, en grand nombre que l'on pourrait donc signifier pour élever la personne du Dieu vivant et vrai. Le dit-on nous rappelle que l'important quand on donne, et oui, c'est un dit-on, l'important quand on donne, c'est la motivation, l'état du cœur avec lequel le présent est offert, plus que la valeur du présent lui-même. C'est un dit-on, oui. L'important quand on donne, c'est la motivation, l'état du cœur avec lequel le présent est offert, plus que la valeur du présent lui-même. C'est peut-être vrai, il y a une belle vérité qui se dégage. Regardez seulement, dans Malachie, était-ce là le comportement du peuple ou encore est-ce que Israël, peuple du Dieu vivant et vrai, avait conscience de ce qu'il faisait? Dans Malachie chapitre 1er, les versets 7 et 8, nous regardons ensemble. Et le prophète de la part de Dieu s'approche du peuple et dit à ce peuple, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. » Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Je reprends. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Certains pourraient dire, au prime abord, c'est parce qu'Israël ne connaissait pas qu'est-ce que l'aliment impur ou pur. J'aimerais vous dire tout de suite, vous vous trompez. Quand Dieu fait des reproches, il le fait sur la base d'une démarche antérieure, c'est qu'il a déjà établi donc des principes et des lois. Dieu ne fait pas de reproches ou Dieu ne juge pas quelqu'un sans que cette personne ait eu une vérité, une information, un principe, une loi. D'ailleurs, sans loi, il n'y a pas de péché, n'est-ce pas vrai? Regardez, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et le prophète dit de la part de Dieu, puisque pour vous, il n'y a pas de problème apparemment, eh bien, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dieu s'abaisse au niveau des Israélites. Dieu s'abaisse au niveau de chacun d'entre nous. Comme pour nous raisonner. Comme pour nous dire, hé, arrête-toi un instant. As-tu vraiment pris conscience de qui je suis? Même quand tu aurais cette attitude envers un humain, un chef d'État quelconque, établi par vous dans la démocratie ou je ne sais quelle gouvernance, cette personne n'accepterait jamais que vous puissiez lui offrir quelque chose qui n'a pas de valeur, ou une bête chétive, ou une bête boiteuse. Non, ce n'est pas concevable. Alors jugez, si cette personne ne vous recevrait pas, alors pourquoi moi, vous m'offrez n'importe quoi? Permettez que j'aille plus loin.
Et dans l'analyse, nous comprenons, nous qui sommes de cette génération, nous avons la faveur de connaître le véritable, d'être dans la nouvelle alliance. Et on se réjouit, on s'en félicite pour le bonheur que nous avons dans nos cœurs, parce que Christ nous a saisis. On a pour habitude de dire que ce n'est pas nous qui l'avons cherché, ni nous qui l'avons saisi, c'est lui qui nous a cherché et nous a saisis. Que son nom soit glorifié. L'apôtre Paul jugera utile de dire, dans Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans cette nouvelle alliance, si nous nous réjouissons d'être sauvés, de connaître le véritable, c'est déjà une chose. Mais la seconde chose qui devait être attachée, c'est que nous prenons conscience que Dieu est exigeant. Et que si nous avons à offrir quelque chose sur l'autel de l'Éternel, que ça soit un sacrifice vivant, pas n'importe quoi. Que ça soit un sacrifice saint, un sacrifice agréable. Dans cette nouvelle alliance, retenez une chose, ce que nous avons de meilleur à offrir à l'Éternel, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Offrez vos corps. Offrez vos corps de la bonne manière. Et j'insiste à dire, la bonne manière, c'est que vous puissiez offrir vous-même comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Une personnalité politique bien connue sur le sud Basse-Terre, et certains vont comprendre, elle avait déclaré un jour, il faut rester à l'argus. Il faut rester à l'argus, c'est-à-dire avoir constamment une valeur marchande, être revendable, permettez l'expression. C'est possible de rester vivant. C'est possible de rester à l'argus, permettez l'expression. C'est possible de rester saint et agréable à Dieu en demeurant dans une foi ferme. La foi n'a pas d'âge. Dès que l'on a conscience de l'existence de Dieu, dès que l'on s'approche de lui avec une foi ferme, croyant que c'est lui qui est le créateur et c'est lui qui nous a créés, eh bien, nous sommes comme un faire-valoir. Ce faire-valoir, c'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi qui également ouvre la main de Dieu et ouvre le cœur de Dieu. Permettez que je vous le dise de cette manière. Cette foi, comme je vous l'ai dit, est un incontournable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, pour revenir sur cette déclaration de cette femme, cette politicienne qui n'est plus, quand elle disait, eh bien, il faut rester à l'argus, je pense que quel que soit l'âge, quel que soit ton âge, mon frère, quel que soit ton âge, ma sœur, vous qui êtes croyant, si vous avez 12 ans et que vous croyez, rappelez-vous 12 ans, Jésus était entré dans le temple. Si vous avez également 102 ans ou 112 ans, qu'importe l'âge, l'important c'est d'être dans la foi. Je vais mettre en évidence la foi d'un jeune. Et permettez que je vous le dise de cette manière, ne le prenez pas mal, la foi d'un vieux. Eh oui, la Bible dit, les jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Ne soyez pas impactés par cette expression. La foi du jeune Timothée et la foi du vieux Siméon devraient nous parler, devraient nous encourager à engager la bonne démarche pour que nous offrions à Dieu en tout temps et en toutes circonstances les meilleurs sacrifices qui soient le sacrifice de notre être entier. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1er, les versets 3 jusqu'au verset 5, déclare « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Et il précise « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita également dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, dit-il, habite aussi en toi. Il a le souvenir d'un jeune homme dans la foi. » On prête souvent cette intention aux jeunes qu'ils sont fougueux,
mais qu'ils manquent d'expérience, qu'ils sont fougueux, mais qu'ils manquent d'adresse. Ils sont plutôt maladroits. Oh, je vous l'accorde. La force qualifie le jeune homme, caractérise le jeune homme. Mais la Bible, quand nous la lisons dans 1 Jean, nous découvrons cette déclaration. Jeunes gens, vous êtes forts. Et il est précisé parce que vous avez vaincu le malin. Cela veut dire qu'on n'est pas seulement fort, ou le jeune n'est pas seulement fort, juste pour les choses charnelles, les choses inutiles, les choses qui existent aujourd'hui et n'existeront pas demain. Non, le jeune peut être aussi à certains moments conscient de l'enjeu et peut placer sa foi. D'ailleurs, si vous êtes jeune et que vous entendez ce message, ne raidissez pas votre cou, ne renvoyez pas à demain. Ne dites pas quand j'aurai mes 70 ans, je me convertirai. Aujourd'hui, c'est là le jour où l'Éternel t'invite à venir à lui et à faire le bon choix. Lui, il avait été bien cadré. Il avait eu donc sa mère Eunice et il avait eu également son aïeul Loïs. Ces deux femmes ont tout fait pour inculquer, pour graver dans le cœur de Timothée quelque chose. Vous savez très bien qu'on ne peut pas transmettre la foi comme un héritage, mais on peut donc influencer quelqu'un et faire en sorte qu'elle-même, cette personne, puisse aussi saisir par la foi l'existence de Dieu. Parce que la Bible est claire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors toi qui es jeune, entends, tu peux donc t'engager sur cette voie dès aujourd'hui, que Dieu soit loué. Je parlerai maintenant de ce vieux Siméon. Dans Luc chapitre 2, le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et la Bible dit de lui qu'il était juste et qu'il était pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Ça me suffit et ça devrait nous suffire. Le fait qu'on ait souligné qu'il était juste et qu'il était pieux. Être juste, ce n'est pas dans le sens d'être parfait parce qu'il n'y a aucun homme qui ne pèche jamais. Être juste ici signifie le fait qu'il attendait, sa foi lui permettait d'être justifié. Or, vous le savez, on est justifié par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé et non par les œuvres. Les attaques brutales, les attaques violentes du diable veulent ébranler et briser la foi du croyant. Je parlais d'enjeux par rapport aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux jeunes. Qui comprennent, je dirais, qu'il ne faut pas attendre demain pour se convertir, qu'il ne faut pas attendre demain pour s'engager dans les bras d'amour du Seigneur. Et justement, quand cela est fait, il y a une personne qui est en colère. Le diable devient assez, je dirais, remonté contre tous les croyants parce qu'il les a tenus, parce qu'il les a oppressés pendant des années, pendant des décennies. Nous étions esclaves. L'apôtre Paul dit très clairement, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes devenus lumière en Jésus-Christ. Et Satan essaie de démonter, de déstabiliser les croyants. Encore à l'heure où je vous parle, il recherchant qui il dévorera. Mais dans toutes ces choses, il ne peut qu'infliger quelques flèches enflammées, déstabiliser quelques croyants. En parlant de déstabilisation, nous avons un langage métaphorique qui est employé dans la parole de Dieu. Parce que le quotidien du chrétien n'est pas toujours un quotidien facile. Ce n'est pas un quotidien où tout coule comme l'eau d'un ruisseau qui coule tranquillement, qui va à la mer. Non, le croyant est souvent persécuté. Le croyant est souvent harcelé, pas seulement par le diable, mais par les démons, harcelé également par les méchants, par les moqueurs. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez mon langage. Et vous qui êtes engagés avec le Seigneur, qui avez une foi ferme, une foi sincère, vous savez, vous comprenez mon langage. La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre attachés dans une piété avec le Seigneur, ceux-là connaîtront des persécutions.
Dans la parole de Dieu se trouve un exemple incontournable quand on parle d'épreuve. Éliphaz, un jour, va entendre les plaintes de son ami Job. Et Job, vous le savez très bien, à son époque, un témoignage en béton lui est rendu. Permettez l'expression, un témoignage en béton lui est rendu. Cet homme était intègre, nous dit la Bible. Cet homme était droit. Cet homme craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà le témoignage que la Bible rend de ce monsieur Job dans Job 1, verset 1. Mais, comme je vous l'ai dit, toutes les attaques du diable veulent ébranler et briser la foi du croyant. Et lorsque donc cet homme va s'adresser, Job va prendre la parole et sera dans une réplique. Il va répondre à Éliphaz, qui n'était pas dans la même phase, permettez l'expression. Il n'était pas en phase avec ce que traversait justement son ami. Il ne comprenait pas vraiment, il n'avait pas goûté, il n'était pas dans l'expérience de Job d'une manière profonde. Je vous le dis, tant ou pas goûtant, biton, pas sap qui goûtini. Et même dans le malheur, ça peut être vrai, ça peut être vrai, ça peut être vrai. Il commence, Job 6, verset 5, « L'âne sauvage, crie-t-il auprès de l'herbe tendre ?» Je ne sais pas si Eliphaz a compris la démarche, s'il a compris l'expression de la souffrance de Job. Est-ce que vous, justement, qui entendez ce message, est-ce que vous comprenez? L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade, ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais, dit-il, ne pas toucher. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle, dit cet homme, si dégoûtante soit-elle. J'aimerais rappeler le thème d'aujourd'hui, une bonne saveur. Et pourtant, lui, il parle de dégoût, de dégoût. Comprenons-nous toujours ce que nous traversons? Parvenons-nous toujours à expliquer les tenants et les aboutissants de notre existence? Job est juste, il est intègre. Je vous ai dit, il a un témoignage en béton. Et pourtant, le malheur s'est abattu sur lui. Oui, je vous vois venir. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous avez raison. Mais lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il se défend. C'est pourquoi devant Éliphaz, devant Bildad, les autres amis, il n'a cessé de se justifier, de dire, je n'ai rien fait pour être là. Et je vais vous dire en passant, au fait, l'envoi, gaz et Malek a tombé sur un chrétien, pas parce qu'il est toujours péché. Il faut commencer à réfléchir plus profondément et libérer plus sérieusement. Ni trop de monde qui a pensé des boules ou à dans galère, c'est parce qu'on péché. Non, parfois ça n'y a rien, vrai. Mais dans les sphères célestes, dans le ciel, quelque chose s'était décidé. Dieu avait donné l'autorisation à Satan d'attaquer, mais seulement de laisser Job en vie. Job a tout perdu. Job a perdu sa richesse. Job a perdu ses enfants. Et voilà, il n'avait que ses amis. Et ceux-là même, la Bible dit d'eux qu'ils étaient de fâcheux consolateurs. Ils ont été bien motivés à vouloir faire du bien, mais là encore, ils ont manqué de sagesse, ils ont manqué de révélation. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de révélation, je pense qu'il faut dire peu et juger peu. Et là, on risque d'être correct avec celui qui est en face de nous, surtout quand il souffre. Dieu a réservé une dose de souffrance. Quand je dis, n'entendez pas mal ce que je veux dire, d'ailleurs je vais appuyer mes propos avec la parole de Dieu. Les épreuves, quelles qu'elles soient, les difficultés, quelles qu'elles soient, eh bien prodiguent à l'enfant de Dieu beaucoup, beaucoup de souffrance. Vous savez, nous aimons la parole de Dieu, nous l'apprécions, mais parfois il ne faut pas lire seulement certains textes que nous apprécions. Mais quand on a le courage de lire l'ensemble de la parole de Dieu, on s'aperçoit que les choses ne sont pas forcément comme les arrêtés, les raisonnements que nous tenons à bout de champ, que nous avons hérité des premiers croyants qui n'ont pas eux-mêmes saisi tout ce qu'ils devaient saisir. Attention, je ne traite personne d'imbécile. Mais on a besoin de comprendre que la parole de Dieu se tient. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. Entendez-le, il n'y a pas de méchanceté en Dieu.
Et pourtant, lorsqu'il appelle le serviteur, je dis déjà le serviteur, lorsqu'il appelle, eh bien, Paul à le suivre, la Bible nous dit, il déclare à Paul, je te montrerai tout ce que tu dois souffrir pour mon nom. Et quand vous lisez les épîtres que Paul écrit, il n'arrête pas de parler de souffrance. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À quelle souffrance? Et dans tous ces voyages, je dirais, d'apôtres qu'il a eu missionnaire, eh bien, il n'a cessé d'être confronté à beaucoup de calomnies, mais aussi beaucoup de souffrances, beaucoup d'agressions verbales et d'agressions physiques. Il a même été lapidé, il a souffert. Et même, il va encourager un jeune à venir avec lui, à marcher le même pas, dans le même rythme que lui. Il lui dira, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc comprenez, Dieu n'est pas sadique. Mais j'aimerais vous dire, il y a une part de souffrance qui accompagne la marche du croyant. La marche du croyant. Justement, comment comprendre cela? L'apôtre Jacques ira jusqu'à nous dire, dans son chapitre 1er, les versets 2 jusqu'au verset 8, prêtez l'oreille et entendez, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Et il ajoute, je ne sais pas s'il était en forme, je vous le dis déjà, cette parole-là est vraiment inspirée. Dites Amen, cette parole-là est vraiment inspirée. Toute la parole de Dieu est inspirée, on dit Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, regardez, acceptez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, je vous ai parlé de la foi tout à l'heure, l'incontournable, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et passe et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Si vous ne le saviez pas, j'aimerais vous le rappeler. Toute activité est menée avec zèle, est menée avec enthousiasme, quand nous sommes en bonne santé, quand tout va pour le meilleur du monde. Nous travaillons, même en chantant. On oublie la pénibilité du travail, quand tout marche bien. Mais la question que je me suis posée, comment poursuivre? Comment poursuivre la mission assignée à chaque croyant? La mission qui t'est assignée, la mission qui m'est assignée. Comment pouvons-nous poursuivre, envisager poursuivre, alors que nous sommes ballottés par les épreuves? Et même l'apôtre Jacques nous a encouragé de les regarder comme étant un sujet, comme un sujet de joie complète. Sujet de joie complète. Comment? Ce n'est pas évident. Je veux croire que vous l'avez aussi compris comme moi. La vie chrétienne est une vie de miracles journalières. Je répète, la vie chrétienne est une vie de miracles journaliers. D'ailleurs, le Christ dira aux premiers disciples, à chaque jour suffit sa peine. Comme pour dire, ne t'inquiète pas de demain, aujourd'hui tu as suffisamment, tu as la dose. Tu as le menu d'aujourd'hui, et dans ce menu d'aujourd'hui, j'ai prévu de t'accompagner. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira aux disciples, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Donc, en cette fin d'année, souvenez-vous que lorsque la période des vœux arriveront, pas la peine de s'inquiéter pour 2023, pour 2024. Bien entendu, tous ceux qui sont des professionnels, eh bien, qui examinent les choses par rapport à la politique à mener, par rapport au constat que nous faisons, la vie qui n'arrête pas de grimper, le prix des choses, et ce n'est pas facile. Mais souvenez-vous d'une chose, que Dieu est au contrôle. Que Dieu te contrôle. Comment poursuivre cette mission? Vous avez remarqué, quand nous sommes sauvés, quand nous rencontrons le Seigneur, quand nous faisons cette belle rencontre avec lui,
nous sommes heureux. D'ailleurs, il est dit « Heureux celui qui est admis en sa présence ». Nous sommes des croyants. Mais nous ne sommes pas enlevés le jour où nous croyons en lui. D'ailleurs, il a dit dans cette prière que vous connaissez dans Jean 17, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder ». Nous sommes dans le monde. Nous sommes encore en transit. Bien sûr, l'enlèvement est prévu. Jésus a été pour nous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, il reviendra pour nous prendre avec lui. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et en attendant ce jour, ce n'est pas pour rester les bras croisés à la roue libre, comme on dit. Non, on est là pour continuer la mission. Pour continuer la mission. Et continuer la mission avec un mot qui a fait son apparition depuis quelques décennies. Continuer la mission en tant qu'influenceur. Une bonne saveur, c'est ce que nous sommes appelés à être pour la société. Un bon influenceur, c'est ce que nous sommes appelés à être dans le siècle présent. D'ailleurs, ce mot, comme je vous l'ai dit, est sur les sites, sur les réseaux sociaux. On parle d'influenceur et dans le sens commercial, pour encourager les uns et les autres à consommer, à acheter. Bref, vous l'avez compris. Mais ce mot, dans son essence même, a été adopté par le Seigneur des siècles auparavant. D'ailleurs, nous vérifions deux textes du Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, et ensuite dans Marc chapitre 9, verset 50, nous vérifions ce qui est écrit d'ailleurs depuis des siècles. Dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel, amen, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Regardez encore un autre texte. Le sel est une bonne chose. Alléluia, c'est une affirmation. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Et au verset 51, l'exhortation, l'ordre est laissé, ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Sur cette dernière phrase, le temps me manquerait, puisque quelque part, on est appelé à se donner du goût l'un l'autre quelque part, parce qu'il est dit, eh bien, soyez en paix, soyez en paix. Le pouvoir salant, permettez que je puisse poursuivre dans ce sens, le pouvoir salant du sel le rend utile. Vous admettrez que si vous achetez un pot de sel, eh bien, à la boutique du coin ou au supermarché, et qu'arrive à la maison, vous mettez, et rien ne se passe, la nourriture est toujours fade, vous aurez un sérieux problème. Puisque vous avez acheté le sel en vue d'avoir, eh bien, du salant. Je dirais au moins gustativement, quand vous allez goûter l'aliment, que vous sentiez le changement. Et c'est presque indispensable, bien que nous entendons ceux qui sont dans le domaine nutritionnel n'arrêtent pas de nous dire par rapport à la nutrition, les aliments possèdent déjà leur sel. Pas besoin d'en rajouter, mais vous savez, nous avons des habitudes. Lorsqu'on les mange naturellement, on sent que ça manque de saveur. Alors nous mettons un peu de piment. Justement, pour donner un peu de saveur à la vie, eh bien, on dit qu'il faut pimenter et aussi le sel est presque un incontournable. Bien entendu, suivez le conseil de votre médecin. Attention, hein, si vous êtes sans sel ou en demi-sel, attention, puisque la santé est certainement menacée. Jésus déclare à chaque disciple, avec ce thème toujours une bonne saveur, Jésus déclare à chacun qu'il joue un rôle dans la société. Où je me suis autorisé de parler d'influenceur. Mais Jésus veut dire qu'il nous a donné une fonction, une mission. Et la mission, elle est simple, c'est donner du goût. Vous ne pouvez pas vous imaginer que la vie est fade pour beaucoup d'êtres humains sur la terre. Certains pourraient penser que les richesses de cette vie pourraient faire oublier, pourraient donner plus de goût. Oh, détrompez-vous. J'ai entendu des témoignages de personnes qui possèdent les biens de la terre et pourtant, la vie n'avait plus de sens. D'ailleurs, je ne veux pas salir la réputation d'une famille quelconque, mais dans la société, dans le monde entier, vous avez certainement eu écho de personnes ayant beaucoup de richesses et à un moment donné, qui en ont eu marre parce que la vie était devenue comme invivable, une vie fade, une vie sans saveur. Et ces personnes ont fait le choix, malheureusement, d'arrêter leur existence.
d'arrêter leur propre existence. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, pour vous montrer l'importance du salant, l'importance de donner du goût. Dans Colossiens chapitre 4, verset 6, que dit-il ? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 6. Tous les croyants devraient entendre cette parole-là. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il m'est arrivé de vous dire dans des messages précédents, quand nous sommes en réaction, nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs en réaction. Parce qu'en réaction, nous voulons répondre, nous voulons rattraper, nous voulons nous justifier. Et on peut commettre beaucoup d'erreurs. Et en tant que personne humaine, nous avons nos faiblesses. Nous, quand on dit un créole, piquer, aussi on cherche à piquer. Mais ce n'est pas tout à fait le principe de Dieu. Ce n'est pas tout à fait le principe évangélique. Et ici, ce conseil vient contribuer pour encore nous encourager. Lorsque nous aurions à répondre à quelqu'un, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand vous seriez dans une réaction, choisissez vos paroles, dosez vos paroles. Quand il croit dire que il tourne l'angle en bouche plusieurs fois, réfléchis avant. Et la maîtrise de ta personne, laisse cet esprit diriger en sorte que tu n'accomplisses pas ce que tu aurais souhaité, que tu ne répondes pas ce que tu aurais voulu, pour montrer qu'on est un homme aussi, pour montrer qu'on est une femme aussi. Non! Quand on répond et quand on parle, on est toujours croyant. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Alléluia! Accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je vous l'ai dit, par rapport à un verset précédent, quand nous étions quelque part dans une forme d'interdépendance, je ne vous l'ai pas dit comme cela, mais quand la parole de Dieu nous exhorte à être en paix avec le prochain, à être en paix avec le frère, il y a une interdépendance qui se dégage. On ne peut donc passer sous silence l'utilité de l'autre. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certains ont pris ce verset seulement. Certains ont pris ces quelques paroles seulement pour la vie conjugale. Et l'homme cherche une femme. La femme cherche un époux. Oh, c'est légitime pour la procréation et pour vivre une vie familiale sur la terre. Mais j'aimerais vous dire, quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut l'élargir. La solitude est un poison. La solitude est un poison. On a besoin de l'autre. L'avez-vous remarqué? On ne peut pas toujours tout faire tout seul. On a besoin d'une autre main, aussi petite soit-elle, mais on a besoin d'une autre personne. Si ça arrivait au monsieur en moins, si ça arrivait au monde en moins, ou arrivait à dire, on n'a pas brisé pour le monde. Repentez-vous des paroles là, ça. Parce que tôt ou tard, si vous vivez toujours, ou que n'y a reconnaître qu'on brise en monde. D'une manière ou d'une autre, nous tous brisés et nous tous avons brisé un monde à un moment donné. Ou peut forger fort ou que finit pas faibli. Tout à l'heure, par les autres, de jeunes et vieux. Eh oui, là, jeune ou pas brisé pour le monde, apparemment. Et là, on vient si même plus gaga, excusez-moi. Là, on vient si même plus vieux, et bien, on croit réaliser qu'on brise un monde. Ou brise un monde. L'autre est là pour nous encourager. L'autre est là pour nous aider à cheminer. L'autre est là pour nous rappeler ce que nous tendions à oublier. L'autre peut être l'aide-mémoire. L'autre peut être là pour nous éviter de tomber dans un découragement et un découragement chronique. Un découragement chronique, ce que j'appelle un découragement chronique, nous amène même à être dans le dégoût des choses. On n'a plus envie de quoi que ce soit. On est dégoûté. J'ai fait mention de cela pour les personnes possédant tout apparemment, et qui un jour malheureusement sont tombés dans ce découragement chronique au point de dégoûter, d'être dégoûté de la vie et de se supprimer, de se suicider. J'ai parlé de souffrance, dans le développement je reviens. Dans Job 33, au verset 19 jusqu'au verset 22, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Regardez, quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain. La souffrance est tellement forte.
La souffrance est tellement grande que cette personne n'a pas envie de manger, que cette personne arrête de se nourrir, ne parvient pas. Même les aliments les plus exquis. Je reprends au verset 20, chapitre 33. Notez ce texte. Il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Au-delà du pain, on peut mettre viande à dedans, on peut mettre poisson à dedans. Tout ça, on te fait qui a rentré à dedans en forme d'excellence culinaire. Même ça, il a mettre ça de côté, il a pris en dégoût. Sa chair, verset 21, se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Des messagers de la mort. Quand la souffrance est là, dans ce même livre de Job, il est écrit que la souffrance dispose au mal. Et avec raison, quand on souffre, la vie peut devenir comme un non-sens. À quoi bon vivre? À quoi bon vivre? J'aimerais donc me tourner vers une autre situation. À mon avis, ça vaut la peine que j'en parle. J'ai parlé tout à l'heure de ce rapprochement qui n'est pas bon que l'homme soit seul et que certains se dirigeaient vers le futur, cherchant à fonder une famille. Et quand la famille est fondée, après il y a l'attente, l'espérance d'avoir des enfants. Tout cela, ce sont des choses légitimes. Mais quand les enfants sont déjà là, pour certaines familles, eh bien, ça tourne au cauchemar. Les enfants deviennent des causes de chagrin, des causes de soucis. Et surtout quand ils sont grands, leurs projets parfois peuvent causer beaucoup de troubles aux parents. Et certains qui ont déclaré un qui gentil, mon enfant fait moins honte que ça. En bas éducation, en bas tout ça a été fouillé. Et Jodley qui a dit, mi choix là, ça en fait papa, mi choix là, ça en fait maman. Et c'est, la vie devient vraiment un tourment pour certains parents, au point que ces parents peuvent avoir un dégoût de la vie. Regretter même d'avoir mis cet enfant au monde, vous l'avez entendu? Ça s'est déjà fait, que ça ne vous arrive pas. Je ne vous souhaite pas que cela vous arrive, mais ça s'est déjà produit. La vie est devenue tellement lamentable que certains parents pensent qu'il ne fallait pas mettre cet enfant au monde. Vous avez bien entendu. Dans Genèse, chapitre 27, le verset 46, Rebecca va s'adresser à son mari, à Isaac, et elle déclare, « Je suis dégoûtée de la vie. » Je suis dégoûté de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert? À quoi me sert la vie? À quoi me sert la vie? Nos enfants ne sont pas appelés à répondre à 100% à notre vision, puisque nos enfants sont ce qu'ils sont. Chaque être humain a une personnalité, même si c'est nous qui avons procréé, qui avons donné la vie quelque part à ses enfants. Mais ça fait souffrir quand il y a un écart entre la vision donnée et les choses accomplies. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Sachez que celui qui possède les moyens, celui qui possède les richesses, et je veux aborder encore un autre sujet avec vous, complémentaire, bien sûr, par rapport à l'ensemble des choses vues autour de ce thème, une bonne saveur. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1er, je ne pense pas, après avoir lu la parole de Dieu, que Dieu ferait un reproche à quelqu'un parce que cette personne serait riche. Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est de la manière dont la personne va gérer sa richesse et gérer sa vie, que cela peut devenir une problématique. Jeunes gens, regardez ce qui est dit d'ailleurs dans le texte de l'Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache qu'un jour, écoutez bien, sache que pour tout cela,
Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point garde, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, et avant que la poussière retourne, écoutez bien, à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il conclut, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. La Bible nous parle d'un pauvre riche qui n'avait pas tenu compte de cela. Il n'avait pas pris en compte que l'on pouvait jouir de ses biens d'une certaine manière. J'aimerais rajouter notre texte biblique. En français courant, il est dit dans Proverbe 20, verset 17. Au premier abord, la nourriture volée est un délice. Au premier abord. Mais ensuite, c'est du gravier plein la bouche. Le proverbe créole nous rappelle plita plitris, plita plitris. C'est-à-dire pendant la gestion d'une chose, on n'est pas encore impacté par les conséquences. Mais c'est plus tard, parce qu'il y a toujours une fin. Toute chose possède un début et une fin. Et même le sage a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Attention, plita plitris, le mauvais riche peut être caractérisé par deux choses. Premièrement, par le fait que son argent est devenu son Dieu et qu'il ne porte aucun intérêt pour les autres êtres humains qui sont autour de lui. Et deuxièmement, le mauvais riche est caractérisé parce qu'il peut mal, je dirais, acquérir sa richesse. Il peut l'avoir. Il peut s'être enrichi après avoir volé les gens dans une forme d'injustice. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques chapitre 5, verset 4. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Il y a un Dieu qui fera toujours justice. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Entendez riches, et n'entendez pas que Dieu vous méprise ou que Dieu vous juge déjà. Non, on est considéré comme un mauvais riche lorsqu'on ne considère pas les autres autour de soi et lorsque notre argent devient eh bien, notre idole, notre Dieu. Or, il n'y a de Dieu qu'un seul. Alléluia, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui donne à tous, en fonction de leurs besoins, que son nom soit glorifié. La Bible nous parle de ce mauvais riche. J'en ai parlé, mais trouvez une référence biblique dans Luc 16, verset 19. La Bible dit de lui qu'il était là et qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et il menait, écoutez bien, joyeuse et brillante vie. C'était donc son quotidien. Il ne se privait pas.
Il ne connaissait pas de contrariété. Toujours dans l'opulence, dans la joie. Oh, dans la joie. Et regardez, après son décès, après sa mort, regardez au verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre, dit-il, cruellement dans cette flamme. » Au verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi. » Est-ce que tu te souviens maintenant? On ne perd pas la conscience après la mort. Ce texte met en évidence cette réalité. On reste le moi intérieur. Notre âme continue à vivre après la mort. Quelqu'un a dit, la mort, ce n'est qu'un passage de frontière. Et c'est peut-être dit d'une manière poétique, mais c'est la vérité. On ferme les yeux et l'expression pour parler de la mort, il s'endormit. On voit cette expression. Quand on dit, on s'endort ici, mais on se réveille ailleurs. On reste conscient et responsable. Responsable de tout ce que l'on a dit. Responsable de toutes les œuvres accomplies. Abraham répondit, « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres, tu souffres. » Souvenez-vous, même si sur la terre, la vie serait fade, à l'exemple de Job qui a connu beaucoup d'épreuves. Je vous le dis, la souffrance dispose au mal. Je parle à mon frère, je parle à ma sœur. Tu n'as pas encore vu le bout du tunnel et tu t'interroges sur la fidélité de Dieu parce que tu ne comprends pas pourquoi tu traverses cette difficulté, cette épreuve qui dure depuis un certain temps. Et pour toi, la vie n'a pas la raison d'être vécue comme... Vous l'avez toujours entendu, comme tu l'as toujours entendu. J'aimerais te dire et t'encourager par cette parole. Le pauvre Lazare est un exemple. Il n'a pas lâché le morceau. De même que Job avait un témoignage en béton, le pauvre Lazare était certes pauvre. Il avait le manque de tout, démuni de tout ce que l'on peut posséder sous cette terre, matériel, même nourriture. Il se nourrissait même des miettes de ce riche qui tombait de sa table. Mais il a gardé la foi. Je vous l'ai dit au départ, ne perdez pas de vue. C'est essentiel, ne le perdez jamais. Quand votre vie n'aurait pas de sens, je souhaite qu'il y ait un sens. Je souhaite que dans les jours, dans les semaines à venir, que les choses changent et les choses peuvent changer. Souvenez-vous de ce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3. Et je terminerai ici. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et j'ajouterai, gardez la foi. Permettez que je prie avec vous maintenant. Seigneur Dieu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu dis et la chose arrive. Nous ne savons ce que demain peut enfanter, mais avec toi, nous savons que les projets que tu as formés sur nous demeurent des projets de paix et non de malheur. Seigneur, pour nous, dans une existence, un temps d'épreuve est comme une éternité. Mais toi, tu es le bon gestionnaire de notre vie. C'est toi notre bon berger. Et nous voulons encore demeurer à ta suite. Parce que du bon berger, il est dit que le bon berger dirige ses brebis vers de verts pâturages. Tu as encore, Seigneur, beaucoup de provisions, Seigneur, dans ton grenier pour chacune de nos vies. Tu as encore beaucoup de bénédictions à répandre sur chacune de nos vies. Permets, Seigneur, que notre foi soit renouvelée. Permets que notre foi demeure ferme. Et qu'ainsi nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Ce que tu peux faire, Seigneur, est impensable. Tu nous étonneras toujours, parce que tu es le Dieu à qui tout est possible. Que l'honneur et la puissance te reviennent d'éternité en éternité, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.